Avant de s'éteindre, Johnny Hallyday avait fait part de son souhait d'être inhumé à Saint-Barth. Il avait également choisi son message à inscrire. Le voici. La cérémonie privée s'est déroulée en présence des proches du rocker, habillés en blanc, couleur du deuil aux Antilles. Saint-Barth, après l'hommage de ses fans à Paris samedi 9 décembre, Johnny Hallyday a été inhumé à Saint-Barth, au cimetière de Lorient lundi 11 décembre, selon les dernières volontés qu'il a formulées auprès des siens et le fait de inscrire ce message sur sa tombe. Ses musiciens Yarol Poupeau et Maxime Nucci, avec qui le taulier préparait son dernier album, étaient bien évidemment venus dire au revoir à l'idole des jeunes. Ils ont joué l'une de ses chansons préférées Love Me Tender et Elvis Presley. Une cérémonie très riche en émotions, durant laquelle les enfants de Johnny Hallyday, David et Laura, ainsi que son épouse Laetitia, n'ont pu contenir leurs larmes à Saint-Barth. Selon les dernières volontés formulées par le rocker, c'est son nom de naissance, Jean-Philippe Smet, et pas son nom de scène qui est écrit sur sa tombe. Son biographe Bernard Violet, interviewé par l'Express, se souvient de l'épitaphe qu'il avait choisi, quelque chose de très simple, souhaitait l'intéresser. Il aimait bien celle de Nico Kazantzaki, l'auteur de Zorba le grec, « Je ne crains rien ». Je n'espère rien. Je suis libre. Et puis finalement, sa préférence est allée à « Souvenez-vous de moi comme d'un homme sincère », rapporte l'auteur. Touchant. Les regrets de Johnny Hallyday, il voulait voir grandir ses filles et mourir à 85 ans. En 2011, Johnny Hallyday s'était confié à nos confrères des In Rock. Le chanteur évoquait son envie de vivre encore plusieurs années, afin de profiter pleinement de ses deux petites filles, Jade et Joie. Johnny Hallyday est décédé le 6 décembre dernier à l'âge de 74 ans. Après des mois de combat contre le cancer, il s'est éteint, auprès des siens, dans sa demeure de Marne-la-Coquette située dans les Yvelines. En 2011, le rocker avait donné une interview diffusée dans les In Rock et republiée aujourd'hui dans le magazine Grazia en hommage au rocker. Johnny Hallyday s'était confié sur son long coma en 2009. Le rocker, qui avait déjà frôlé la M0RT à plusieurs reprises, ne souhaitait pas quitter les siens trop vite. « J'espère vivre le plus tard possible. J'ai vu un homme formidable dans une salle de sport à LA. Un mec baraqué, ridé du visage mais bien foutu. » Je lui dis « Vous êtes en forme, vous avez quel âge ?» Apostrophe 83 ans, eh bien je voudrais arriver à ça, 85 ans, pour mes deux petites filles, avait déclaré l'idole des jeunes dans un message. Vivre encore longtemps et profiter pleinement de la jeunesse de Jade et Joie, ce qu'il n'avait pas pu faire avec ses deux premiers enfants, David et Laura. Les deux enfants que j'ai eus, et que j'adore, quand je me suis séparé des mamans, ils ont grandi dans une autre maison, pas la mienne. Alors, je les voyais, bien sûr,
mais ce n'est pas pareil. Là, les petites, elles grandissent dans ma maison, je les vois tous les jours. Ce sont des joies que je n'ai pas connues avant, avait confié la star. En bon père attentionné, Johnny Hallyday aimait passer du temps avec ses deux petites filles Jade et Joy, respectivement âgées de 13 et 9 ans. Le rocker publiait souvent des photos de ses filles adorées sur les réseaux sociaux. Des heureux souvenirs à inscrire dans les mémoires, à jamais gravés dans le cœur des deux fillettes.